Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre LP Titanic Modé, le 58e. Alors oui, j'ai eu un petit souci, une double attaque de creeper en fait. Et d'ailleurs, je suis mort au passage. Et ils m'ont bien détruit ma maison. Donc je me suis dit, j'allais en profiter pour déménager. Parce que du coup... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Délice des mines. J'étais remettre en route la quarry, la carrière. Alors je vais récupérer je vais récupérer ça. Ça, bon, un four, ça peut toujours servir, mais j'ai mon inventaire qui est plein. Bon, le délice des mines, je vais le mettre là. Il faudrait que j'emmène mes bouquins. Et alors je vais aller m'installer dans le bâtiment qui est toujours pas fini. J'ai quand même remis des glaces hein. Et j'ai fait une petite entrée par ici. Hop, j'ai un peu amélioré le sol. Et de l'autre côté, là on a l'ascenseur pour descendre à la mine. Là c'est l'espace de stockage. Et ici, oh joli, je me suis mis un joli plancher. J'ai déjà mis le lit. Bon, c'est déjà ça de fait. Il y avait des patates dans le four. J'ai pas ramené d'établi. Bon, le four, on va le mettre par ici. Là. Je fais les enchantements de base à niveau 1. Je vais pas plus loin. Je trouve pas ça forcément. Hop, et voilà. Je vais la mettre là et je vais mettre. Ah, j'en avais d'autres en fait dans un de mes sacs et je vais mettre un grand coffre. Zut. Je voulais en mettre un double. Bon, attends, on recommence. Tac, tac. Voilà. Et comme ça, je pourrais faire mes petites bricoles. Et puis j'ai vu sur les animaux, c'est super. Bon, ils font un peu de bruit. Ils font un peu beaucoup de bruit même. Le cheval, il est même pas en enclos. Hein. Il doit être attiré par ses copains. Donc voilà, une bonne chose de fait. Ici, il va falloir que je fasse un peu le ménage parce que... En fait, c'est un fourre-tout immonde. Tiens, j'ai du verre encore ici. Ici, je vais mettre un petit peu de gravier, mais je ferai tout ça hors caméra. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Et puis surtout, je vais démonter ça. Et puis, j'ai un bazar pas possible. Il faudrait que je... C'était un peu des trucs spécial nourriture. Il faudrait que je me fasse un bâtiment cuisine ou autre. Où j'installe un peu tout ça un petit peu en arrière. Je sais pas trop. Peut-être ici, un peu plus décalé. Mais un autre bâtiment que cette première maison en bois que j'ai dû me construire dans le premier épisode. Hein, premier ou deuxième épisode. Bon, allez, ça fait déjà un moment maintenant. Hein. Alors, comme j'ai remis la carrière en route, aujourd'hui on va rejouer un peu avec les machines. Et surtout des machines que j'aime bien, celles de Minecraft Reloaded. Parce que j'avais un souci avec les trucs multiples, hein, le cuivre, si on regarde, alors cuivre, ici on va avoir du minerai de cuivre, donc celui de forestry, celui d'immersive engineering, celui de mariculture, celui de tinker construct, celui de mécanisme, et si on regarde à l'anglais, parce qu'il y en a qui sont pas traduits, en copper, je pense qu'on va en trouver d'autres. Il y a le copper or dense. Là, il y a le copper or, celui de Project Red. Ah, puis celui de Rai... Ah, c'est du pour, là, mais celui de Raycraft. Et puis celui de Thermal Foundation. Donc, il y a un petit truc assez génial qui s'appelle Unifieur de... c'est pas Minecraft Reloaded, c'est Mine Factory Reloaded, MFR.
qui permet, en fait, on lui rentre dedans les minerais et il ressort dedans, il en sort qu'un seul type. Alors par contre, il est un petit peu. Il faut des comparateurs. Machine frame, ça on a l'habitude. Silver Gear aussi. Par contre, le multimeter, c'est quelque chose de nouveau. Bon, c'est du plomb, du cuivre, de l'électrum gear, redstone conductance coil, on en a déjà fait. Et là, il faut un lingot d'électrum. Alors ça se fait comment ça, le lingot d'électrum? Électrum blonde. Et l'électron blanc, on l'a comment? Il faut mélanger de la poudre d'or et de la poudre d'argent. Oh, c'est pas bien compliqué ça. Donc, on va se faire. Et il m'en faut combien? Il me faut 4 lingots. Pour avoir 4 lingots, il me faut 4. C'est pas vrai que le canasson il est venu là. Il me faut 4 sables. Et donc, ok. Non, mais on n'est pas chez Mémé là. Hein? Oh! Alors, il va me falloir de la poudre d'or et de la poudre d'argent. Je crois que c'était ça. Hein. On va se prendre. De l'or, il me reste plus grand chose. Et d'argent. Tin. Étain. Où est l'argent? Titane. Rendez l'argent! Il a peut-être pas trié. Chose qu'il va falloir que je pense aussi, c'est étendre cette pièce. Là, c'est de l'aluminium. Ah, silver ingot. Ok. J'ai peut-être pas besoin d'en prendre autant. Allez, on va au sac 1000. Alors, je broie des os pour l'instant. Et voilà, ça me donne de la poudre d'or. Bon, je mouline tout ça et puis on se retrouve. Hop, c'est fini, j'ai mes lingots d'électrum. Hop. Normalement, je crois que j'ai tout. Pour faire l'unifier, il me faut d'abord. Alors, on va déjà faire le multimètre avec ça. Hop. Il m'en faut juste. Allez, j'en fais deux. Il me faudra un lit. Non, j'étais parti sur le multimètre. Ça, c'est. Ah, c'est encore de l'électrum. Zut, j'aurais pas dû tout griller. Ah. Il faut que j'aille en refaire. Je me demande si j'en ai pas déjà fait de l'électrum quand même. Ça c'est du cuivre, ça c'est de l'or. Oui. Alors. Hop, il m'en faut qu'un. Donc là, il me faut du plomb. Du plomb, j'en ai pas ici, mais j'en ai là. Allez, je prends tout. Voilà, j'ai mon multimètre. Hop, ici. Oh, le bouquin. Allez, accélérer. Alors, on en était. Il me faut une machine frame. Engrenage d'étain. Hop. Il m'en faut juste un. Tac. Hop. Les comparateurs, j'en ai pas. Hop.
Qu'est-ce qui me manque là? J'ai le multimètre. J'ai. Ah, il va me manquer les. Les silver gear. Et puis. Toc, toc, toc. Et puis du plastic sheet. Plastic sheet. Hop. Silver gear. 1, 2. Hop. Donc maintenant, c'est bon, j'ai mon unifieur. Tatan! Allez, on range tout, on passe la nuit. Oh, ben ça, je vais le mettre dans le coffre en fait. Tac, tac. Et puis, on se retrouve au triage de la mine. Alors, nous revoilà au premier étage du bâtiment de la mine. Oui, je sais, il faut que je le termine. Ah, on voit le bateau d'ici. Waouh, c'est cool. Alors, le tuyau de ce qui revient de la mine est ici. Donc là, bah, on a un petit mélange. Uranium, fer, lead, tin, silver. Ah, c'est embêtant. C'est dommage parce qu'il n'y a rien de... Il y a rien de en double. Je vais peut-être déplacer la carie pour en avoir un petit peu plus pour que le test soit bon. Donc ça, c'est le retour de ce qui vient de l'extérieur que je vais certainement supprimer ça maintenant. Et ça, c'est ce qui vient de notre bah, de toutes nos productions. C'est quoi ça? Oh la sale bête. Alors nous, on va s'installer. Donc tout arrive dans ce coffre. Ici c'est extrait. Et on va venir s'installer bah, ici. Pac. Donc on va mettre notre unifieur ici. Et il faut qu'on extrait le... Ah, j'ai des temps de réponse. Mauvais, mauvais, mauvais. Il faut qu'on extrait... Alors c'est tuyau de transport en bois parce que ça s'extrait pas tout seul. Donc classique, tac 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 tac. Est-ce que j'ai un petit levier? Non, j'ai pas de levier. Bon, j'ai pas de levier. Ah non, j'ai pas de levier. Bon. C'est avec une roche. Non, c'est pas une roche, c'est de la cobble. Voilà. Donc là, je mets mon moteur de redstone ici. Je mets mon levier derrière. Et ça va marcher. Alors ici on peut indiquer les préférences, c'est-à-dire si on préfère sortir le cuivre de Raycraft ou quelque chose, eh bien on en prend un exemplaire et on le met ici dans les préférences et c'est celui-là qui sera sorti. Alors que sinon, celui qui sortira, c'est celui qui est le premier dans le hors dictionary. Donc qui permettent justement de faire ces unifications. Alors je vais relancer la carie et histoire d'avoir que le test soit plus probant et on se retrouve. Donc je descends dans la mine. Ouais, c'est par ici. En voyage. Allez par là. Alors j'étais étonné là-haut de n'avoir qu'une seule sorte de minerai de cuivre. Et en fait, depuis la mise à jour, vous voyez là ce qui s'affiche en bas à droite, c'est mécanisme hors bloc. Donc c'est un bloc de minerai de cuivre de mécanisme. Je le récupère et j'ai un copper ore de Thermal Foundation. C'est-à-dire que maintenant, avec cette version, avant, on récupérait bien un minerai de cuivre de mécanisme. Maintenant, on récupère un. Il le modifie automatiquement. Et je suppose que Copper Ore, ça doit être le premier qui est dans le dictionary Ore de Minecraft Forge. Donc mon système, du coup, il est nettement moins utile. Je peux essayer de le faire avec un autre. Ça, c'est encore un mécanisme.
J'en avais vu de... Mécanisme. Ça, c'est du Project Copper Horde Project Raid. Hop, et voilà, c'est encore transformé en Thermal Foundation. Voilà. Bon, donc du coup, mon système est nettement moins utile. Et voilà, du coup, j'ai tout démonté. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier mes filtres. Puisque Copper Ore Project Red, il n'y en a plus besoin. Copper Ore, c'est celui de Thermal Foundation qui va arriver. Donc tous les autres cuivres, je peux les enlever. Silver Ore, c'est pareil, c'est celui de Thermal Foundation. Lead Ore, c'est celui de Thermal Foundation. Tin Ore, c'est celui. En fait, c'est toujours minerai d'étain, minerai d'étain. Et le minerai de plomb, c'était celui de Lead Ore. Voilà, comme ça devrait marcher. Bon, ben, j'aurais dû vérifier avant de faire cette construction. Ça m'a pris quelques petites ressources quand même. Bon, c'est pas méchant, hein. Mais comme quoi, d'une version à l'autre, hein, au niveau du DNS Tech Pack, au niveau des mods, ben, il y a des petites choses qui changent. Et puis voilà. Aïe 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 aïe. Bon, ben, je vais regarder le temps qui nous reste pour voir ce qu'on peut se faire et on se retrouve. Puis je vais quand même vérifier que tout ça fonctionne correctement. Les divers, c'est le jaune, hein. Si rien n'est et on tombe dans le chest là-bas. Donc si jamais il n'arrive pas à les diriger, hop, il va se mettre par là et puis ça va être bien. Bon, eh ben, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve et on n'aura pas assez de temps pour faire quelque chose de sérieux. Donc, on va en profiter. On va profiter de la fin de l'épisode pour parler un peu de ce qu'on va faire dans les épisodes qui viennent. Donc là, j'ai un petit peu commencé à déménager. Bon, j'ai vidé tous les coffres. Je vais pouvoir les péter. Hop, et j'ai tout installé là-bas pour l'instant. Donc ici, je pense que je ferai un bâtiment qui sera un bâtiment, ça sera la cantine. Et dedans, il y aura tout ce qu'il y a nourriture. ce que je pensais faire également, c'est récupérer ce bâtiment qui sert plus à rien pour en faire le bureau des commandes. C'est-à-dire, je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Quand je suis en bas en train de construire, j'ai besoin de quelque chose. Oh là là. Alors, je viens ici, je le construis, hop, je retourne le mettre, et puis je n'arrête pas de faire des allers-retours, c'est pénible. Je vais plutôt me faire la liste de tout ce qu'il me faut, une liste de courses. Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Je viendrai ici, donc c'est le bureau des commandes qui gérera ça, et comme ça je pourrai me faire des sessions de fabrication, quand j'aurai tout, je les enverrai là-bas, je me ferai des sessions de construction, et comme ça sera beaucoup mieux organisé. Alors au départ, je pensais me dire, on fait ça avec juste des pancartes, ici je me pointe et je mets la liste de tout ce que je veux. Mais en fait, on a des trucs quand même pas mal. On a des modes pas mal dans notre besace. Et en particulier avec le computer craft, on a tout des tas de trucs, des ordinateurs, des machins. Alors, c'est sûr qu'au moment du Titanic, il n'y avait pas d'ordinateur, mais bon, il n'y avait pas non plus de jackpot. Donc, on va se faire ça. Alors, pour voir un peu, c'est de ce côté-là, je me suis crafté. Oula, le bazar! Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce beans? Il manque du bois là-dedans. Par contre, du coup, voilà, ça va aller mieux. Voilà. Alors, oh, il y en a encore.
Où je les ai mis? Ah oui, là. Donc j'ai un moniteur et puis un computer, un ordinateur. Alors les crafts, le craft de l'ordinateur, c'est même abusé. C'est 7 roches, une redstone, une vitre. Et le moniteur, ça doit être 8 stones et une vitre. 8 roches et une vitre. Le plus dur, ça va surtout être de le programmer. Donc sur le ce que je pense faire, c'est sur le moniteur, ça va m'afficher ce que je dois construire. Donc quand je ferai une session de construction, je me pointerai là. Et je dis, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc j'aurai un ordinateur pour taper les commandes pour rajouter des lignes. Et ce que je vais faire, vu qu'on a un espèce de Wi-Fi, c'est que je me mettrai un ordinateur en fait dans le Titanic et je pourrai taper mes commandes directement là-bas. Quand je ferai ma visite, je dirai, ah bah il me faut 12 portes, il me faut 12 lampes ou 24 lampes. Je ferai ma saisie là-bas et ça viendra mettre à jour automatiquement ce truc-là. Je pense que ça va être sympa. Donc je vous montrerai comment faire ça au niveau basique. Alors au niveau programmation, bon, j'essaierai de rester très basique pour vous montrer comment on peut faire ce genre de truc. Donc ben, voilà pour les prochains coups. Puis bien entendu, ben, je continuerai de. Donc là j'ai pas fait grand-chose, hein. De travailler sur l'avant, sur les cales, et puis petit à petit les chaudières, tout le système pour remplir les différentes salles de chaudières. Là, j'ai mis du gravier là aussi, puisque j'en ai plein. Alors pour finir, je vais vous montrer un petit truc. Ta-da-da! La carte. Waouh! On voit bien les. On voit bien les. On voit. C'est pas les chaudières en fait qu'on voit. Mais c'est les différentes les soubassements des chaudières. C'est rigolo tout plein. On voit les cales à l'avant, on voit bien les cloisons étanches. C'est rigolo tout plein. Là, c'est la première cale qui la première salle de chaudière de chaufferie terminée. Là, on aura la machine, là on a la turbine, etc., etc. Hein, des fois ça hein, c'est marrant. Ouais, ça se Des fois, ça clignote. C'est rigolo. Bon, et eh bien voilà pour cet épisode spécial fail. C'était la journée internationale du fail. On essaiera de faire un peu mieux au prochain épisode. Et d'ailleurs, eh ben, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut! Thank you.